Comme un air de retour en vacances. Avec déjà 34 degrés cet après-midi, les touristes profitent du beau temps à Bordeaux. Bah c'est vrai, c'est chouette de prolonger l'été. En plus, hier, on était au Cap Ferré, on s'est baigné, il faisait un temps très agréable. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Mais à Paris, c'est beaucoup moins agréable qu'ici. C'est bien, ça prolonge l'été, c'est sûr, mais c'est un peu chaud quand même. On se dépêche, il commence à faire chaud, donc on va rentrer là dans les ruelles, un peu à l'ombre. Comme ça, il y a un peu de courant d'eau, un petit peu de courant d'air, et pour moi, elles sont plutôt frais à l'ombre. Dû à une masse d'air venue du Maghreb, ce pic de chaleur touche d'abord le sud-ouest. Ensuite, il va se propager dans les prochains jours au nord et à l'est du pays. On est sur des températures maximales qui seront 12 à 14 degrés au-dessus des valeurs habituelles observées pour une mi-septembre. C'est effectivement du coup anormal et c'est même assez exceptionnel. D'ailleurs, demain, l'après-midi devrait être un des après-midi les plus chauds qu'on ait jamais enregistré sur un mois de septembre depuis qu'on fait des mesures. Localement, on attend ainsi jusqu'à 38 degrés ce lundi dans le sud-ouest.